Aujourd'hui, nous allons faire l'ouverture des cadeaux de Vincent, parce que c'était son anniversaire le week-end passé. 26 juin, ouais. 26 juin. Un bon anniversaire dans les commentaires. Merci. Donc voilà, on commence par montrer ce que tu veux. Ouais, je sais pas, ta création. Je sais pas si on voit bien, mise au point, pas du coup là. Ouais, malheureusement il y a une vitre en verre donc ça fait des reflets. Mais... Du coup, c'est qui l'a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Comment t'as fait? Explique un petit peu. Bon, après c'est très subjectif, ou on aime ou on n'aime pas, mais en gros c'est une peinture minimaliste et donc je l'ai fait moi-même, tout simplement. Ça représente un peu l'amour. Mm-hmm. Voilà. Et bien. En fait, c'est un homme donc et une femme. L'homme fait un bisou sur le front de la femme et donc ça signifie un peu la protection et donc c'est ça que j'aime bien. Mm-hmm. J'aime bien ces bisous-là. Voilà. Moi j'aime bien aussi. Bon, après, je sais pas encore où est-ce qu'on va le mettre, c'est pas français. Où on va le mettre, mais j'aime beaucoup. Et en plus, j'ai utilisé de la peinture dorée, mm-hmm. et du coup, ça fait un effet un peu bois. Boisé comme ça. Je trouve ça sympa. Mm-hmm. C'est une toile normale. Ouais, un cadre. C'est sympa. Uni noir, voilà, je trouve que c'est assez sympa. Après, je suis pas une experte en dessin, donc les traits sont pas non plus. Non, c'est cool. Hyper continu, etc. Mais et t'as copié d'un artiste ou enfin c'est un artiste comme ça on peut le mettre mais en description limite si vous aimez le style. Non mais disons que ce style existe, c'est le style minimaliste, donc des personnages minimalistes mais on peut faire aussi des objets, etc. Mm-hmm. Mais après le dessin, non, je me suis... Enfin, j'ai pas refait le dessin mais je me suis inspirée du style quoi. Okay, ça va. Moi, j'aime bien parce que c'est fait par la personne, donc c'est cool. Voilà. Personnel. C'est et cool. On est très symbolique. Deuxième cadeau, qu'est-ce que j'ai reçu? Ah oui, ça, très important. Pour la chaîne aussi, parce que ça va améliorer un petit plus, apporter un plus à la chaîne. J'ai reçu une tablette graphique de chez Wacom. Oups. Très simpliste. Oups. Avec le petit stylet, avec le bic qui va avec. Ça va nous permettre de faire des créations, des petits dessins, vu que j'aime bien le dessin. Et j'étais fort occupé, je pensais pas trop à acheter ça et acheter autre chose pour le stuff de stream. Donc petite tablette graphique qui fait l'affaire, on a déjà testé un petit peu. C'est vraiment très, très simple à la prise en main. Elle a pas trop de bugs et je crois que c'est très très bien. Et en fait il y a trois programmes et en fait il peut choisir deux programmes. Je pense que c'est que 6 mois de gratuit mais en gros tu peux tester. C'est 3 mois plus 3 mois, c'est Pen, Pro, je sais pas quoi. Ouais, et donc un truc pour... Enfin c'est un programme plus pour les mangas et le dessin. Mais il y a pour l'art aussi. Hein, ouais. Il y a pour la photographie et il y a aussi les galeries artistiques, etc. Donc voilà, selon ce que vous en avez mieux. Mm-hmm. Elle n'est pas trop grande en plus, hein. Elle est bien, elle est voilà. Légère. Alors j'ai pris la taille S, j'ai pris en noir et... Bluetooth. Elle est avec Bluetooth, donc si. Câble et Bluetooth. Donc voilà. Donc pour relier les smartphones directement à la tablette, c'est mieux si on fait directement. Je voulais pas acheter la grande parce que... oui, c'est vrai que la grande elle est plus précise. Et vu que j'ai un plus petit bureau, enfin j'ai un petit bureau. Ouais, un petit bureau. Et en plus pour la transporter, c'est plus facile. En S, format S, donc voilà. Nickel, top. Non, j'aime bien, c'est sympa. Donc il y aura sûrement des streams dessin ou design, et peut-être BD, je sais pas encore trop ce qu'on va en faire. Mmh. Vu qu'on avait déjà aussi joué sur Scribe.io, là, mmh. Les trucs où on devait deviner. J'ai eu aussi un autre cadeau, on va mettre surtout des images. J'ai eu mon nouveau PC, et je ferai sûrement une vidéo spéciale pour la nouvelle configuration. C'est un nouveau PC, c'est un i9 2080 TX Super, 32 Go de RAM, je mettrai tout dans une nouvelle vidéo et je ferai souvent une petite vidéo traveling avec l'aspect du PC. Donc il y a beaucoup de lumière partout, vraiment beau. J'ai aussi acheté un écran MSI 165Hz qui est à ma droite. Donc elle est là, pour le gaming, ce sera mieux pour le stream, etc. 2K. Et à gauche, c'est l'ancien écran que j'avais. C'est la TV LG qui va me servir pour lire les chats, etc.
Mais de toute façon, on a partagé les images ouais, sur Instagram, n'hésitez pas à aller suivre. Si vous voulez voir parfois les petits changements qu'on fait, etc. On n'est pas encore très présent sur Instagram, mais ça va changer. Et j'ai un PC portable, comme PC de stream, comme ça le PC gaming est déchargé au niveau du processeur, etc. Et prend en charge sur le PC portable pour envoyer du HD, donc du Warzone quand on avait fait les tests. On a encore quelques petits réglages avec Elgato par rapport au son, capture de son, etc. encore réglé. Mais d'ici allez, une semaine, si on est vraiment sérieusement sur les problèmes, ça devrait être réglé. Donc, c'est celle-ci, la boîte HD60, USB 3.0. Donc ouais, GeForce, okay, bon. Ça permet aussi d'avoir PS4, Xbox One, Nintendo Switch, du tout câblé, en tout cas. Et ça aide vraiment bien pour envoyer du HD. Donc on a déjà fait un petit peu les tests, et ça c'est plutôt cool. Est-ce que j'ai reçu encore d'autres cadeaux? Je me souviens plus. Mais déjà, t'as pu aller au resto. Ouais, on a été au restaurant aussi, ça c'était super chouette. Ça, c'est pas très matériel et tout ça, mais... Non, ça c'était un moment en famille, ça c'était cool. Et la soirée avec les amis aussi, là c'était super chouette. On s'est tous réunis au bord d'un lac, ça c'était super cool. En plus, il faisait bon. Juste ici derrière, vous voyez l'ancien PC que j'avais, c'était le 1050... je sais plus quoi... GTX... Enfin, un PC d'il y a 4 ans, donc ça n'arrivait même plus à suivre. Maintenant on arrive à faire des Fortnite à 160 images par seconde, du Warzone à 100 images par seconde en ultra ou en haute qualité. Donc ça c'est vraiment sympa. Et je vais sûrement le passer à Audrey pour qu'elle puisse commencer à faire ses vidéos de son côté aussi. Ici elle m'a fait un autre cadeau, enfin encore à part parce que voilà. Parce que je n'ai plus du tout de shorts. Donc on sait déjà un petit peu ce que c'est, de chez Asos. C'est vraiment la vidéo de tout, hein, ouais, cadeau et mon haul. C'est quoi les vidéos haul, c'est ça? Ouais, mais c'est plus pour son anniversaire parce que vraiment, il a plus de shorts. Et j'ai la flemme d'aller au magasin. Voilà. Mais il y a les réductions, hein, ça j'ai vu aux enfants qui a maintenant les promotions et tout. Ça vous savez. Donc c'est chez Asos. Et je crois que c'était pas si cher. Là, ah, ok, c'est la première fois que j'ouvre. Unboxing. En fait, c'est pour récupérer le sac. Ah, ok, sympa. Jamais essayé. Et en fait, t'as un autre collant à l'intérieur. C'est intelligent. Ah, pour envoyer directement? Bah, si ça va pas, pour renvoyer, quoi. Tu vas garder ça. Ok, allez, c'est parti. On ouvre les deux en même temps. Ça a l'air vraiment super. Je crois... Moi, j'ai fait confiance. Elle m'a un peu vite fait montrer de loin ce que c'était. Après, les c'est des shorts qui font habiller, mais en même temps, on est contracté. Donc... Tu te souviens des prix? Je sais pas comment on voit ça. C'était vraiment pas cher. Si, en tout cas, on a pris en taille M, vu que je suis pas le plus gros des gros. Ça, c'est 19 euros celui-là. 5 euros. Ouais, 20 euros. Oups. Comme ça, vous voyez. Jacket Jones. C'est du Jacket Jones? Ouais. Jure? Ouais. Oh, mise au point. Dégueulasse. Là, tu vois. Ouais. Ah, ouais, c'est un Jacket Jones à 20 euros. Vraiment basique. Voilà, après j'ai essayé, j'ai pris taille M. Ça fait un peu matière training qui suit comme ça. Ouais, mais ça fait quand même habillé, donc je me dis voilà quand il fait chaud. Ouais, j'aime bien. Vraiment sympa, on avait vu ça un petit peu en photo, je me suis dit oh, allez vas-y. C'était celui-là ton préféré ou l'autre? Et le deuxième, lequel? Celui-là? Ouais, c'était celui-là. Le jacket jaune? Ouais, j'avais bien les deux. Et c'est un bleu foncé et bleu marine. Ouais. Ça. Vraiment sympa, et celui-ci en M, taille 38, en noir, complet, on découvre ensemble. Ah, c'est... Et c'est du, oh c'est du Pull & Bear, ok, Pull & Bear sympa, j'aime bien, et prix. Il est à 14 euros. 14 euros pour du Pull & Bear? Ouais, celui-là était vraiment... Ça c'est l'arrière, c'est basique. On fera sûrement des photos sur Instagram, avec les nouveaux shorts si on n'a pas la flemme. On verra ça. Donc n'hésitez pas à rejoindre Instagram. Jogger short. Ah ouais, c'est sympa. Ouais, et je me dis même pour rester à la maison. Sympa. Mais tout du moment qu'il va pas faire ses travaux avec. Non, tant que je vais pas aller au boulot avec. Donc dites-nous en commentaire si ça vous intéresse de voir les travaux de la maison, de la chambre, etc. Peut-être qu'on fera des vidéos là-dessus. Ouais, là c'était vraiment pour montrer... Les petits cadeaux. Ouais, c'est ce qu'il a reçu, mais en même temps c'est lié au gaming, puisque bon, il fait...
principalement ça. Donc voilà. J'espère que en tout cas ça nous a plu. Parce que je pense qu'on a fait le tour. On continue l'ASMR, mais il y aura d'autres choses que de l'ASMR sur la chaîne et en stream. Mon logiciel pour enregistrer les vidéos, gaming, etc., c'est Streamlabs OBS ou OBS Studio. Et pour le montage, c'est un logiciel gratuit, très basique, très très simple d'utilisation, même Audrey sait l'utiliser, pour vous dire. J'ai fait du montage, t'as fait. Ouais, je rigole. Et c'est Shotcut, donc je mettrai tout en description normalement si je n'oublie pas ou si j'ai pas la flemme, mais ça, je ne suis pas sûr. Et mot de fin. Mais prenez soin de vous. Et à bientôt. Et à bientôt. Ciao, ciao. Bisous.